Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stoneheart sans multi avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. On se retrouve donc après le petit crash hein, qui heureusement la sauvegarde était récente donc on a a priori rien perdu. Et on est reparti du coup. Alors les gens vont comme ça passer à côté des jolis machins et qu'un peu de bol ils seront contents. Ouais bof, c'est pas probant. C'est pas grave. On va continuer de mettre des trucs jolis dans la ville pour qu'ils soient un peu plus contents. Ça fait vraiment une ville de nains, avec des trucs en pierre partout, des brasiers partout. Ouais, mais une taverne et de la bière. Ça entraîne les. Ça entraîne le maçon de fabriquer des trucs comme ça. Bah, tous mes jobs de construction, je leur dis maintenez-moi 10 items de tel type et puis démerdez-vous quoi. Comme ça au moins ils passent tout le temps. Ça c'est pour les soldats seulement, ouais, peut-être pour faire ça c'est un peu de la merde. L'Iron Shield quand même on va le faire par contre. Il est même pas level 4 mon maçon là. Ah si, il était complètement level 4 mec. Enfin, un meuf en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Ah c'est Saurus. Ah! Ah le Varanus plutôt. Putain, c'est moi qui ai planté. Ah ouais, là c'est dès le début de l'épisode par contre là. C'est pas cool ça. Ouais, attends, je reviens en speed. On va voir si ça continue ou pas parce que. Ouais, si ça se multiplie, ça va être un peu relou. On va avoir l'impression qu'on joue à Dungeon of the Endless quoi. plante. Alors, hop, c'est démarré. On rejoint. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier la magnifique poule de chargement. Qui est quand même assez classe. C'est pas tous les jeux peuvent se vanter d'avoir une poule de chargement quand même. Ah bah, c'est clair quoi. Voilà, la poule de chargement, elle est là, voilà. Une poule Elvis Presley en plus. Elle est belle. Double punition. Ok, bah normalement ça devrait être assez rapide. Hein. On aura perdu 30 secondes quoi, ça va, une minute peut-être. Enfin, normalement. C'est un peu long là. Allô ? Jeu. Ah, ça y est. Ça vient. Oula. Ok, on est de retour avec un magnifique zoom sur cette veine de charbon. Très très bien. Et on a eu un événement. Ah oui, c'était un Varanus. Ok, très bien. Juste avant que ça plante. Et au niveau des gens contents, on est passé à 3 personnes contentes, c'est pas mal. On va garder un œil là-dessus. Bah du coup j'enlève la pause, hein, on reprend dans la foulée. Alors, ah, il me fallait un truc de Weaver aussi, parce qu'il est un peu à poil le Weaver là-haut. Hein. Est-ce que j'ai des templates pour ça? Est-ce que je peux bouger cette fenêtre? Non, bon, bah, tant pis, on va fermer. Herbaliste, maçon poterie, Weaver's Hut, c'est pas mal ça. C'est petit en plus on dirait. C'est plutôt cool. Ouais, ce serait pas mal de la caler genre par là. En face. Dans un trou de brasier, dirons-nous. Allez en avant les gars. Faites-moi des jolies choses. Je compte sur vous. Oh, on peut compléter la quête, vite! Je clique! Oui! On a upgradé notre ville! Victoire! Attention à avoir un joli feu! Normalement. Ah, il faut le temps que les. Ils se rassemblent, ils font une petite prière. Ouais, les petites lumières là. Et boum! Oh, il est classe ce feu, j'avoue. Ça change le petit brasier habituel. Ouais, mais même le celui de la richesse là, comme le tien, il reste relativement standard. C'est un feu quoi. Ah, encore que, il est différent de celui du peuple du Nord.
c'est pas le même. Celui du peuple du Nord, ils ont une espèce de brasier géant avec des yeux et tout. Avec la quête de la richesse. Cool, eh ben, c'est parfait tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Bon bah les gens sont contents, c'est bon, hein, vous êtes réjouis, maintenant vous allez bosser s'il vous plaît, merci. Maintenant au travail. Bon, par contre à partir de là, tenir le network journalier, ça va être la violence, normalement. C'est le moment où ça commence à piquer un peu quoi. Et du coup on a gagné des nouveaux bâtiments. Alors on a le Ravies Shadow. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi, c'est un genre de minaret, c'est ça? Non, ce truc là, c'est un truc juste pour faire joli. Ah, c'est pour mettre le feu, d'accord, ok. Dedans. Ah, je me posais la question. Bon, c'est un peu plus classe que le brasier posé sur le sol, tu me diras. Mais... Ah oui, ça. Ok, du coup, on a quoi d'autre? On a des maisons plus mieux, ce qui est cool. À part ça... Ah, on a la Desert Lodge quand même, qui a l'air assez classe. On a moyen de faire des forges maintenant. Alors la Desert Lodge, y'a quoi là-dedans? Putain, la vache, c'est là où ça? La Desert Lodge, c'est super large. C'est assez cossu, comme dirait. Ah oui, ouais, j'avoue, c'est comme c'est le mot, ouais, c'est cossu. Mais du coup, ils ont chacun plus ou moins leur lit, c'est plutôt cool. Alors, bon, on va peut-être en faire une quand on aura fini ce qui est déjà en cours là. Ok, parfait. Ah bah d'ailleurs, c'est fini ça déjà. J'avais même pas fait attention, ils ont fini. Je leur ai pas demandé de construire la route, je crois. J'ai pas cliqué sur build, ouais, j'ai pas cliqué sur build. C'est un peu con de ma part. Voilà, comme ça on va avoir une belle route. Du coup, bah on va faire une Desert Lodge, qu'est-ce que vous en pensez les gens? J'aime bien l'idée. Quand on l'a fait, c'est assez classe. Allez, c'est parti, on va en faire une dans le coin. Alors la porte, elle est plutôt là je crois, on va la tourner pour être sûr, mais... En fait, c'est symétrique en fait. Ouais, on va essayer de pas empiéter sur les cultures par contre, ce serait pas plus mal. Hop là! Build! C'est parti! Est-ce qu'on a suffisamment de bois? On n'a pas suffisamment de bois malheureusement, il va falloir en couper encore un peu. Est-ce que à tout hasard notre fermier il serait pas assez haut niveau pour planter du bois d'ailleurs? Faut que ce soit niveau 5 si je me rappelle bien. Ouais c'est ça. On va vérifier déjà ce qu'il peut faire, ça fait un moment que j'ai pas allé voir. J'ai pas été voir si il peut complètement planter des acacias. C'est parti, plante des acacias mec. Et à côté tu vas planter des cactus saplings. Voilà. Daily update. Ah oui, et du coup c'est vrai qu'on a un bonus avec le bonheur, hein. Ça c'est cool. Ah merde, on a des invasionneurs. Oula, ah putain, c'est la grosse saloperie. Ça s'appelle Zilla. C'est Zilla, ouais, il crache des flammes et tout ce truc, c'est une grosse saloperie. Parce que tu fais oh god, there is Zilla, Godzilla. Ah non, sérieux. Ah si, je pense que c'est pour ça. Est-ce qu'il va pouvoir passer la porte? Non, il fait le tour. Fuyez. Ah, t'as fait une porte qui donne sur l'autre côté. Ouais, je l'ai pas fermé encore. En fait, je voulais que mon ingénieur fasse une porte de donjon, mais il est pas assez haut niveau. Et du coup, les notes passent par la porte. Ouais, il a fait demi-tour, on dirait. Il a dû sentir les soldats arriver. Là, je pense que les attaques de zone elles vont faire très très mal. Là. Oh la vache. Il va nous falloir du clair, hein, clairement. Ouais, je pense qu'à terme, je vais peut-être repartir.
refaire un... Il va falloir un deuxième clair, mais j'ai beaucoup de workers, ça va être l'occasion. Bon, ça va, on a quand même un bon DPS. Merde, ouais, les attaques de zone. Même avec deux clairs, on descend 1000 life, quoi. Ah, bien joué, c'est pour toi le loot. Après, faut que les clairs soient bon niveau aussi. Ah, mais il est niveau max 2. D'accord. J'ai rien dit. Donc, il nous faut un tome de clairs, du coup. Alors, toi, t'es arrivé avec des trucs cool à vendre. Ouais, bah écoute, on va t'acheter ça parce que. Je peux partir, merci. Il nous faut un tome de clair, il nous faut du cuir pour faire ça. Weaver, qu'est-ce que tu fous? Ouais, on n'a pas de fourrure forcément. Pourquoi il me dit que je peux pas faire de site charpentier? Je peux complètement faire une normalement, j'ai un mec level 4. Ou alors il est pas encore au level 4, j'ai affabulé. Ah non, il va vers le level 4, fait chier. Ça c'est triste par contre. Bah du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des knights. Alors déjà. Toi. Ouh. C'est un marchand qui est venu avec plein de trucs de forgeron, ça c'est bien. Plein de trucs de? De forgeron, des armures et tout. Ah, hop, hop. Alors, nos soldats, level 5, toi t'es level max. Damny, tu seras notre premier knight. Hop là, c'est parti, tu seras le général de l'armée. Mais tu ne seras pas tout seul, puisque on a Talin qui va te rejoindre. Hop là. Ensuite, toi t'es très bien toi. Plutôt qu'être fermier, tu seras soldat. Allez, c'est parti les gars. C'est l'heure des promotions. C'est le patron dans son bureau, il réfléchit, maintenant on enchaîne les promotions. C'est ça. Alors on a Triss Mirigold, hein, qui est mon mec le plus pourri mais qui sera soldat quand même. Parce qu'il est courageux, du coup... quel est le but? C'est purement de faire de faire confiance au viewer, hein. S'il décède... Et ben... Oula. Ce sera de sa faute. Qu'est-ce qui se passe là? C'est... Ah. Il y a une grosse musique là. Ouais, ça passe par chez toi, par la petite entrée. Ah merde. Ouais, son jet. Faut que je fasse quelque chose avec cette entrée. Bah, soit tu la bloques. Ouais, mais si je... Il me faut une porte que je peux fermer, en fait. Je crois. Bah, ou tu construis juste un mur dessus, devant, ça marche aussi. Ouais, en attendant. Ouais. Ouais, excuse-moi, pardon. Ouais, c'est de la petite saloperie. Il y a des kobolds derrière. Hein. Ouais, il y a des kobolds derrière. Ça, je vais envoyer mes gens avec. Un petit niveau 6, enfin. Allez, nettoyez-moi ça. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un mur. Ah mais je peux pas construire de mur parce que c'est trop grand en fait. C'est complètement con. Diminue-moi la taille de ce mur. Voilà. Allez, en avant, butez-moi ce truc là. Comment ça tu peux pas le construire? Tu te fous de ma gueule? Eh ben construis-le pas, c'est bon. Si tu veux pas le construire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle mauvaise ambition. Non mais attends, les mecs ils font preuve de mauvaise volonté, à un moment, voilà quoi. Moi je peux rien faire. Hein. Moi j'essaye, mais voilà comment on remercie. C'est ça. Aucune pitié quoi. Aucune pitié. Faudra que j'assigne les lits en speed, donc on va assigner quelques lits, tiens, ça sera le lit de bloc tout noir.
Ça, ce sera le lit damné. Ça, ce sera le lit du cuistot. Ça, ce sera le lit d'un forgeron. Ça, ce sera le lit d'un clerc. Et ça, ce sera le lit du fermier. C'est pas très loin des fermes. Donc, au moins, c'est cohérent. Voilà. J'ai quelques lits. Et puis ça aussi, ça c'est une toute petite maison, une bébé maison. Qui c'est qui va avoir une bébé maison? Bah triste, tiens, t'auras une bébé maison. Super, c'est cadeau, ça me fait plaisir. En plus d'être mauvais. En plus d'être mauvais, t'as une petite maison, voilà. Ne nous remercie pas, c'est totalement normal. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, réellement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? De la nourriture, ok, très bien. Ah, on a. T'as pas besoin d'épée ou de trucs de Weaver à tout hasard hein. Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va vendre les objets à la con. Hop ça. Hop ça aussi. Ça on va le garder parce que ça doit servir je pense. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc de l'ingénieur. Ah oui, au fait, le mec qui nous avait rejoint là, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Était courageux, était un peu plus efficace que Triss, et ben, tu seras peut-être notre prochain soldat, écoute, gars. Avec un peu de chance. J'avoue que j'aimerais bien un nouveau clerc, mais j'ai plus de cuir, et ça c'est un peu la tristesse. T'aurais pas un rouleau de cuir à tout hasard d'ailleurs? Je pense pas, bon... J'arrive pas, enfin... J'ai pas la plantation pour faire pousser des... Allez, des trucs pour faire du tissu, donc je suis coincé, mon weaver il fonctionne pas du tout. Ah ouais, bien. C'est ce qui manque ici, hein. j'ai pas la plantation pour faire des... ce genre de choses. Moi je crois que j'ai le niveau, mais la question c'est ce que j'en fais. Ça c'est de la corne, ça c'est du watermelon... Je pense pas qu'il y ait en ça, fait. Ça c'est des cactus... Ouais, on peut pas en fait. Je suis en train de me demander. Attends, on va regarder ça tout de suite. Ce truc là où il y a rien qui est planté. Cactus flower, corne. Ah ouais, non, on peut faire des arbres, mais on peut pas faire de. On peut rien faire effectivement, ça c'est ballot ça. Alors, on a une nouvelle personne qui nous rejoint. Et toi, tu es quoi? Un cœur de crafter. Très très bien. Bah écoute, c'est cool, mais pour l'instant on n'a pas un besoin de ouf. Un animal trainer, ouais, alors les animaux à 1000, merci quoi. Une autre fois. C'est... Ah ouais, 1000 c'est pas trop cher, il y a des animaux à 3000, tu sais. Ouais, mais bon, déjà que les animaux à 600 ils sont assez moyennement utiles. Bah je pense que je vais aller buter à ce rythme là, je vais aller buter le Varanus, ne serait-ce que pour avoir du cuir quoi. Ça serait qu'avec un peu de chance tu peux en avoir quoi. Parce que là franchement il faut du cuir pour avoir un deuxième clair, c'est pas très... Oh t'as fait un tunnel, j'avais pas fait gaffe. Si, bah ça fait partie de mon projet. J'ai un projet, hop. Carrément c'est... quoi. Ah ouais, dès que le sphinx il est terminé, enfin dès que le sphinx est terminé, non, dès que la maison est terminée, bon pas tout de suite parce que mon petit a encore une liste de une quarantaine d'objets à faire. Tu vas t'étendre de ce côté là? Non, alors, je vais juste faire un petit truc, je vais voir si ça fonctionne, ce sera classe, ce sera juste joli. Ok, très bien. Pas utile, mais joli. Surprise alors. Attends, il y a le Warp Chief qui est venu me voir là, donc oui c'est bien moi qui ai défaitide Ogo. Le camp est mort, il en faut un autre, ok très bien. Maintenant que je suis là, je vois que vous ne méritez même pas que je vous envoie un de mes chief camp. Tant mieux. Tant mieux, enfin tant mieux non, c'est pas drôle, mais tant mieux quand même. Et du coup, il nous dit si vous voulez que quand vous serez prêt à fight, et ben faites un gong et je viendrai. C'est-à-dire pas tout de suite. C'est ça. Ça c'était un weaver ici que j'avais fait je crois, donc du coup un weaver il lui faut... Je crois que c'est ça...
du ça et animal port, la fourrure, voilà. Ok, très bien. Bon, alors niveau mythe, on est large, hein. On peut peut-être faire des pièges un peu plus évolués, ça nous fera du cuir. Également, j'avais oublié ce détail. Est-ce que ton potier fait quelque chose? Est-ce que mon potier fait quelque chose? J'ai deux potiers. Et est-ce qu'ils bossent? Ouais, ils bossent tous les deux, ouais, sur ma grosse maison, là. Ouais. T'as besoin de quelque chose? Bah, à terme, si tu sais me faire je dirais quoi, une vingtaine de clay bricks, peut-être juste une dizaine, pour me dépanner. Ils sont en train de bosser dessus, je vais leur en rajouter un petit paquet. Et d'ailleurs, je vais leur dire d'en maintenir une vingtaine dans l'inventaire, mais ça servira de toute façon. Alors, ils ont pas une liste si grande de trucs à faire, par contre, ils ont plus beaucoup de clés, donc ça, c'est un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu qu'on a plein de workers, on va en dédier un à miner. Il fera que miner. On va même en dédier deux à miner. Allez, ils feront que miner eux. Ça c'est le bon plan, quand t'as beaucoup de workers, les spécifier. C'est évite que t'attendes 50 ans. C'est ça, au bout d'un moment il faut les spécialiser un peu sinon. Après ce que vous irez faire, c'est que vous irez m'raser ça. Cette petite montagne. Voilà, merci. Minez-moi du clé. Bon, du coup, j'ai lancé la production de briques. Je te filerai ça dès que j'en aurai. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre, mais bon, ils sont quand même deux. Donc, si l'approvisionnement en clé est là, ça devrait aller vite, je pense. Bon, si t'as du clé en rab également. Je viens de me rendre compte que je n'en restais pas beaucoup. Ouais, comme moi. Ouais, j'ai relancé ma superbe carrière. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai deux forgerons, mais je crois que j'ai qu'une seule forge. Donc ce que vous allez faire, les gars, c'est que vous allez me faire... faire de la forge. Hop. Et hop. J'ai plus de pierre également. C'est un peu triste. On va peut-être commencer à creuser encore un peu ici là. Doucement. Voilà. Genre comme ça, ce sera déjà pas mal. Alors j'ai découvert un truc depuis notre dernière partie. C'est que en fait tu peux. Quand t'es en mode mine là, enfin en mode harvest, tu peux cliquer sur une zone de minage et la remove. Directement. Donc te faire chier à faire contrôle. Ah oui. Oui, cliquer sur la zone entière. Toi qui allais à contrôle avec contrôle pour faire du négatif. Alors attends, il y a un traveler confus qui vient. Ah oui, c'est le. Il y a le peuple lapin. Il y a le peuple lapin aussi dans le. Je ne savais pas qu'il y avait le peuple lapin en plein désert. Mais... En même temps, oui, il y a la statue du lapin, donc ça se tient. C'est quoi ce truc rose? Oh, il y a un sugar bell. Trop mignon. Ah, il y a plein de zombies tout en haut aussi de la colline. Là. Ah ouais, ouais, ça doit être un pop. Ah, d'autres invaders. Ok, alors là on est sur du gobelin armé par contre. Ça déconne moins. Faut vraiment que je trouve un moyen de fermer cette foutue porte par contre. Ouais, non, il va falloir que je passe deux secondes à regarder pourquoi ils veulent pas faire un mur parce que c'est n'importe quoi. Attends, juste avant d'enlever la pause, je vais le faire. Sinon, ouais, je peux te placer une porte, tu sais. Ouais, non, mais la porte elle peut être ouverte, non? Elle peut pas être verrouillée cette porte là. Alors là, j'en sais rien. Attends, je vais tester, je vais en mettre une. Parce que justement, je voulais faire une porte de donjon parce qu'on peut les verrouiller, mais je sais pas si celle-là. On va voir. Allez, go les gars. Allez, me looter ces grosses haches.
Ah mais il y en a d'autres qui arrivent sur la droite quoi. C'est ah oui, ils sont... Mec, tu vas crever. Tire-toi. Bien joué. Putain, comment ils le défoncent quoi. J'ai cru qu'ils allaient s'acharner sur lui à la mort quoi. Bah, il tape bien fort. Hein. Il commence à être bien stuffé. Ouais, il n'y a pas encore de clair, mais ça va venir, je pense. Si, il y en a un. Là. Ah oui, exact. Ah oui, alors là, on n'a pas d'archer, par contre, c'est un peu relou. Alors, demandez d'aller taper dessus. Ouais, il y en a un autre derrière, d'ailleurs, à gauche, là. On va s'en débarrasser. Allez, un petit dernier coup d'épée, voilà, parfait. Allez, taper sur l'autre con, maintenant. Ah là, il va vraiment nous falloir des archers. Mais... Allez. Allez. On tue le monsieur. Voilà, merci. Bon, en attendant, on a notre clerc qui est passé level 6. Parfait. Alors, voilà, récupère le blessé. Et on a Raina qui a rejoint la ville. Alors Raina, qu'est-ce que tu fais dans ta vie Raina? Ok, t'es standard. Donc on a un blessé, bah ouais du coup oui. Hein. Elle va se remettre. Il veut Attends, j'ai un marchand qui me propose d'échanger 11 fenêtres en clé contre 11 outils de potier. Ça ira. C'est au cas où tu veux faire une armée de potiers. C'est ça peut servir. Des fois que. On sait jamais après tout. Hein. Sur un malentendu. Du coup, les forgerons. Est-ce que vous avez réussi à me faire les trucs que je vous ai demandé? Oui. On va les placer maintenant en speed. Ça ou pour que ça soit pas trop crade. Ouais. Ça dans le coin. Alors il me faut une deuxième forge. Tourne-toi forge. Voilà. Hop et une enclume. Voilà. On va en profiter pour placer quelques objets jolis. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est ça. On est ici pour que ça soit beau, n'est-ce pas? Hop. Alors, on est bientôt à 30 minutes, donc normalement c'est le moment où ça va planter. Reste un peu positif, s'il te plaît. Je reste positif. Potier level 5, c'est cool ça. Alors ils ont mis une porte, on verra si ça empêche les gens de passer. En plus c'est une porte rose, hein, attention, ça déconne pas. La porte haut de gamme. Personne ne passera. Du coup, on va mettre d'ailleurs quelques portes un peu plus classe. À droite à gauche, ça fera joli également. Côte à côte. Ça sert à rien ça, mais voilà, je les mets quand même parce que pourquoi pas. Ce sera des salles de stockage ici, puisque de toute façon on va pas les faire vivre dedans. Voilà. Potier, il fait du non-stop depuis deux épisodes. Là. Commence à arriver à la fin. Ah bah moi les potiers c'est pareil, hein, ils s'arrêtent plus. Hein. Alors, il nous manque des trucs pour ce bâtiment. Qu'est-ce qu'il nous manque? Des wood logs, ok. Donc ça normalement on y travaille. Et puis bah des trucs en clé. Hein. On
On a suffisamment de briques par contre, ça c'est la bonne nouvelle. Je vais peut-être pouvoir t'enfiler, il m'en faut 7 et on en a 19, c'est plutôt pas mal. Vous en êtes tous les gars. Ouais, ok, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on a du bois qu'on ramasse quelque part? Non, hein. Pas vraiment. Et puis nos plantations de cactus ne sont pas... Ah mais t'es en train de faire une forteresse là? C'est quoi ce truc? Il y a un mur là, je vois un mur là. Ouais, ouais, c'est normal. D'accord, donc on passe ça plus en fait. Ça fait partie du plan. Ok, très très bien. Et si on passera, ça place des escaliers, mais faut le temps que ça les place. Ok, ok, j'attends de voir. Pas sûr que ça s'apporte tout de suite, hein, vu l'ampleur du truc. Tu te fais la grande muraille de Chine version Earthling, c'est ça? Non, ça sera pour après. Alors on nous a conseillé dans les commentaires de faire une forteresse, hein, mais... Bah, je crois qu'à terme, il faudrait pour au moins faire un... Allez, un choke point. Une safe zone, là. Oui, ça, mais surtout un endroit, tu vois, tu laisses un trou dans la muraille, et tu sais que tous les invaders vont d'office passer par là. Ah, ouais, ouais. Et après, tu mets tes troupes en stand-by. Comme ça, t'as pas trop le souci, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est tout à fait jouable. Bon, les mecs, faut monter de niveau maintenant. Donc vous allez vous bouger les fesses. Vous allez me faire des trucs qui servent à rien à la rigueur, hein, s'il y a que ça. Mais... Oh, mais je peux même pas encore faire des lingots d'acier. Je me souvenais pas qu'ils étaient aussi lamentables, mes gars, par contre. Allez hop, en avant. Alors le cuivre c'est la fête. Avant, par contre, l'étain c'est pas ouf. On va leur demander de miner une petite mine d'étain là. Qu'est-ce qu'il faut là? On est au même niveau, on va aller sur le charbon, hein, tant qu'à faire. On a deux mecs qui sont là pour miner, donc autant qu'ils taffent. Alors, les vegetables ont été bouffés, les trucs où nous ont pris nos légumes. Très très bien. Ok, vous avez fini de miner ça également. Du coup, on va vous faire monter au niveau du dessus. Allez, on va leur demander de miner ce niveau-là. Hop, voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, par contre. Hein. Sans crash, attention quoi, la surprise. On s'arrête pas sur un crash, en tout cas. C'est plutôt cool. On verra pour la suite. J'espère que du coup ça vous aura plu. On se voit très bientôt pour la suite. Merci Katox pour cette session et à très bientôt. Salut.